Ses fils du terroir leur a apporté son soutien moral et financier. La Cour constitutionnelle vient de rendre son arrêt sur l'interprétation de quelques articles, spécialement l'article 70. Eurodépenda, commentaire. La vacance ne sera pas constatée au sommet de l'État avec ou sans élection présidentielle en 2016. Cette décision de la Cour constitutionnelle qui vient de rendre son arrêt est tombée cet après-midi 11 mai 2016. La décision de la Haute Cour siégeant en matière de vérification de la constitutionnalité de la requête initiée par 276 députés nationaux et leur interprétation reste donc le résultat vrai et définitif. Cette saisine a porté essentiellement sur l'interprétation de l'article 70 de la Constitution se rapportant au mandat du président de la République, sans oublier les autres articles tels que 103 et 105 concernant le mandat de parlementaire. Le bureau de la Cour constitutionnelle a précisé cet arrêt en ces termes. La Cour, siégeant en matière d'interprétation de la Constitution, après avoir entendu M. le procureur général en son avis, se déclare compétente, reçoit la requête, dit que pour consacrer le principe de la continuité de l'État affirmé par l'article 69 de la Constitution, l'article 70 alinéa 2 de la Constitution permet au président de la République actuellement en exercice de rester en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Dit en outre que, bien que d'une durée de 5 ans renouvelable, le mandat des députés nationaux, sénateurs et députés provinciaux ne prend fin qu'à l'installation d'une nouvelle Assemblée nationale, d'un nouveau Sénat ou d'une nouvelle Assemblée provinciale en vertu du même principe de continuité de l'État, également traduit par les alinéas 2 des articles 103 et 105, ainsi que l'alinéa 6 de l'article 197 de la Constitution.